Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo dans laquelle je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des 100 yen shops. Donc les 100 yen shops sont des magasins low cost où on trouve de tout. Donc ça va de l'alimentation, aux gadgets électroniques, en passant par les accessoires de cuisine, les vêtements, les produits ménagers, la papeterie, les jouets et j'en passe. Et le tout à des prix défiant toute concurrence puisque ça va de 100 à 700 yens, un truc comme ça, donc entre 57 centimes et 4 euros, selon les enseignes et leur localisation. Donc vous avez des anciennes, les enseignes les plus connues qui sont les chaînes de magasins Daiso, Seria ou Kandu, et certains de ces magasins en plus sont tellement grands qu'ils s'étendent sur plusieurs étages, surtout les Daiso, hein, faut être honnête. Mais vous avez aussi des magasins isolés qui ont repris le concept, comme par exemple le magasin Mits à Osaka. En Europe, ce qui s'en rapproche le plus, c'est les magasins Action. Et en ce qui concerne l'Amérique du Nord, vous avez les magasins Michaels ou Dollarama ou Dollar Store, me semble-t-il. Mais les prix sont beaucoup moins attractifs, c'est beaucoup plus élevé. Ben voilà, écoutez, c'est déjà fini pour cette micro-vidéo. Je vais en faire plusieurs comme ça pour vous présenter quelques aspects du Japon qui méritent pas une énorme vidéo. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de penser à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine.